Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les expéditions inutiles. Alors on est en direct dans le train pour Aurillac. On part en effet dans le Cantal, au fin fond de l'Auvergne, pour visiter les locaux de jeuxvideo.com. On part là-bas commenter les conférences de l'E3 et on en a profité pour vous faire découvrir, visiter les locaux de JVC. 21h plus tard, ça y est, on est arrivé devant les locaux de jeuxvideo.com et je vous propose de débuter la visite. Allez, c'est parti. Bonjour. Oui, C'est pour les expéditions inutiles. Ah, c'est Mamie Twink. C'est bien. Salut, ça. Mamie, tu vas bonjour. Bien. Écoute, excuse-moi, mais là, tu me réveilles un petit peu de la sieste, là. Salut. Salut. Ça va? Bah, très bien, merci. Et vous? Bah, ouais, en pleine sieste, là, comme tu peux le constater. Ouais, voilà. Mais bon, on est à fond, on va bien. Donc, ici, c'est l'accueil. Et expliquez-nous rapidement ce que vous faites. Ici, vous êtes en plein cœur de l'action. Là, c'est vraiment l'opérationnel de jeuxvideo.com. C'est-à-dire que ici, c'est la comptabilité, c'est l'analyse financière, c'est la correction, c'est l'organisation des déplacements, c'est tout, quoi. Et ce sont les petits t-shirts sympas là-bas, je vois ça. Absolument, absolument, avec les petits smileys. Ouais, on a plein de petits goodies. Ok, super, bah merci beaucoup et puis merci à plus tard. Merci Twink, à bientôt. Alors on est à présent dans la salle de la rédaction et on va aller voir ce qui se passe parce que ça travaille dur aujourd'hui, c'est le 3. Et on va aller voir Anagund, celui qui bosse le plus. Salut Anagund. Salut, oui. Donc je vois que ça bosse dur déjà. Oui, oui, bien sûr, on est en train de préparer le 3 actuellement en regardant différentes vidéos sur le net de présentation de jeux. Là, actuellement, on est avec tous les rédacteurs qui sont en train de préparer tout ça. Derrière, on a des stagiaires, on a un peu tout le monde. D'accord, donc c'est ici que se déroule la rédaction de news, tests et dossiers, c'est bien ça? C'est bien ça, on fait tout là, c'est un open space. Donc là, bon, il y a quelques absents actuellement parce que y en a à l'E3, il y en a qui glandent chez eux, ils foutent rien de toute façon. D'accord. Puis on a ces quelques-uns qu'on a réussi à réquisitionner rapidement. Si tu veux, je peux te les présenter. Bah, si tu veux, tu me présentes une personne, ouais, vas-y. On va présenter mon ami Sylvain, ici là. Donc Sylvain, qui bosse dur aussi. Il regarde le trailer de Watch Dogs. Exactement, la version française qu'on vient de recevoir du trailer de Watch Dogs et qu'on va mettre en ligne sur le site incessamment sous peu. Anagund, alors je sais qu'ici il y a un petit truc secret, ce sont ces fameuses armoires. Secret, c'est vite dit. Le rêve de tous les gamers, montre-nous ça. Ah bah là, donc on a justement tous nos jeux, hop là, qui sont là-dedans. Donc là, bon, ce sont les jeux, oui. Donc on les garde tous. Là c'est PS3 exactement. Donc théoriquement c'est censé être à moitié dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on s'était débrouillé au début pour que ce soit par ordre alphabétique. Et au fur et à mesure il y a eu 2-3 accidents. Donc maintenant c'est plus dans l'ordre de là où on les trouve. On va dire. Et on m'a dit le dernier, le meilleur pour la fin, c'est le placard vide, c'est le placard Wii U. Ah ça y est, ça troll. Voilà. Alors le placard Wii U. Elle a quand même un point pour se défendre, c'est qu'elle est sortie il y a seulement quelques mois, donc bon, c'est normal que ce soit pas non plus la fête sur Wii U actuellement, par rapport à des consoles qui sont sorties il y a 7 ans, quoi. Parce que bon, le premier jour de sortie de la Xbox One, ça sera pas non plus la fête. D'accord. Du tout. Très bien, bah merci beaucoup pour cette visite, et puis à plus tard. Alors je suis en direct du département technique avec David, et peux-tu un peu nous expliquer ce que vous faites ici? Bonjour, et ben donc mon pseudo c'est Hazel. Le département technique, on fait un peu tout ce qui est invisible, c'est-à-dire savoir la création d'images, le web design, l'hébergement, faire en sorte que le site fonctionne parfaitement. Et puis comme c'est le 3 en ce moment et que on est un peu tous sur la brèche, la gestion du live de ce soir, la mobilisation des équipes, et puis faire en sorte que tout se passe le mieux pour relayer. Tout ce que nous demandent nos lecteurs et notamment tous les gros événements qui vont arriver par rapport à la PS4 et la Xbox One. Ok, super, bah merci beaucoup. Merci. Et puis bon courage pour cette longue journée. Merci.
J'allais aller tester les studios du Gaming Live, mais quand je suis passé par ici et que j'ai vu cette petite table remplie de cantal, de pâté local, etc., ça m'a bien envie de donner de tester. Alors, c'est la salle de détente des locaux de jeuxvideo.com où les employés peuvent venir jouer à la PlayStation, regarder des lives ou encore se sustenter. Maintenant que j'ai bien mangé, on va partir dans les studios du Gaming Live tester tout ça. Alors bienvenue dans le studio des Gaming Live, je suis là avec Super Panda et il va un peu nous expliquer ce qui se passe ici, ce que vous faites ici à jeuxvideo.com. Ben salut mamie, ben ici on enregistre les Gaming Live avec notre petit fond. Il n'est pas vert, il est gris celui-là. C'est un fond gris. Et donc là, c'est là qu'on enregistre nos Gaming Live et on fait nos petits directs. C'est juste à côté, on va se déplacer. D'accord. Peut-être. Ok, super. Le deuxième plateau. Ah, on s'assoit et on passe, voilà. Super. Notre plateau de direct. Le petit décor américain pour la soirée. Le petit décor américain. Là, nous sommes en direct de New York, faut dire. Voilà, en direct de New York. Bah, je sais même pas si c'est New York d'ailleurs derrière. Faudrait demander à nos techniciens. Je sais même pas si c'est New York. Bah écoute, merci beaucoup pour cette petite visite interactive. Et puis on se retrouve ce soir pour le gros direct. Pour le gros direct. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette soirée très spéciale, la soirée de l'E3, la nuit du jeu vidéo, comme on l'a appelé. Nous voici arrivés à la fin de cette expédition inutile dans les locaux de jeuxvideo.com. Il est 5h du matin, je peux vous dire, on est explosé, la soirée fut longue mais épique. Notre train part à 11h, donc on va même pas avoir le temps de dormir ou un tout petit peu. On espère que ça vous aura plu et on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle expédition inutile. Et surtout, n'oubliez pas que cette chronique est disponible en open world 60 fps sur le lecteur de jeuxvideo.com.